Coucou YouTube, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo mise au point par rapport à mon compte Instagram. Donc je tenais à dire pour tous ceux qui me suivent, parce que je ne sais pas qui me suit sur Instagram, je ne sais pas le nombre de gens, les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, tout le monde ne me suit pas forcément sur Instagram. J'ai un compte effectivement, un compte Instagram. 1200 abonnés dedans. Ouais, il a 1200 abonnés à peu près, pour l'instant, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Et le compte s'appelle Alexis Duro 86. Voilà, tout attaché. Voilà, il se trouve qu'il y a une personne qui s'est fait passer sur moi sur Instagram, donc avec un autre compte. Donc j'ai découvert récemment qu'il y avait un compte Instagram qui s'appelle Alexis Duro. Tiré du dessous officiel. Cette personne a pris des anciennes photos de moi, où j'avais les cheveux plus courts, des anciennes photos de moi qu'elle a postées, qu'elle a repris d'internet, et puis qu'elle a posté, qu'elle a mis sur ce compte-là. Voilà, donc moi je tiens à vous prévenir que voilà, parce qu'il y a des gens, j'ai vu qu'il y avait certains de mes contacts qui s'étaient abonnés à ce compte, croyant que c'était moi. Donc voilà, je leur dis clairement, ce compte-là, il faut pas y aller. Et surtout que c'est un compte, on ne sait pas. Hein, vraiment, moi, j'ai pas envie qu'on publie des trucs comme ça en mon nom. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, je préfère prendre les devants et vous prévenir. Voilà, que vous n'ayez pas des posts et qu'après, je m'en prenne plein la figure par rapport à ça. Voilà, donc je tiens à vous dire que le Alexis Duro tiré officiel, s'il publie des choses, il faut pas croire que c'est moi qui les publie. Mon véritable compte, c'est Alexis Duro 86. Voilà. Et d'ailleurs, sur mon véritable compte, c'est des photos plus récentes où j'ai les cheveux longs. Voyez? Là, j'ai plus les cheveux courts comme avant. J'ai plus les cheveux courts comme avant. Là, c'est mon vrai compte. Voilà, donc je tenais à préciser que ce compte-là, qui a été créé, ce faux compte qui a été créé en mon nom, avant, il s'appelait Fanpage. Il s'appelait Fanpage Alexis Duro. Et maintenant, c'est devenu carrément Alexis Duro officiel. Il y a une différence entre Fanpage et Alexis Duro officiel. Hein. C'est deux choses différentes. Parce que je m'en suis rendu compte, parce que j'avais vu ce compte-là avant, il y avait juste marqué fanpage. Donc je me suis dit peut-être que c'est quelqu'un qui me suit, qui a voulu créer un compte fanpage. Voilà. Et après, récemment, j'ai retrouvé ce compte-là parce que j'ai vu que ça avait changé. Il y avait quelqu'un qui avait mis Alexis Duro officiel. Donc il y a quelque chose de très malsain là-dedans. Ça voudrait dire que cette personne pourrait publier n'importe quoi en mon nom, etc. et me faire passer pour je ne sais quoi. Donc, forcément, bah voilà, je tenais à vous en parler, à ce que vous soyez au courant, étant donné que ceux qui connaissent mon histoire savent que ce genre de truc, en plus, ça peut aller très 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 loin. Et j'ai pas envie, tout simplement, que ces choses-là recommencent. Voilà, je veux que vous soyez prévenus. Le compte Alexis Duro officiel qui n'est pas le mien, qui n'est pas le mien. Signalez-le. Signalez-le parce que ce n'est pas moi. C'est une usurpation d'identité. Voilà. Je préfère le dire à l'avance. Je préfère prendre les devants par rapport à ça. Voilà. Juste que vous soyez au courant de ce qui se passe. Voilà. J'avais pas envie d'en parler à la base, parce que je me suis dit, je voulais pas faire de la publicité à ce compte-là. Mais entre le fait de me dire, est-ce que je fais de la publicité à ce compte-là? Mais d'un autre côté, si j'en parle pas, si jamais cette personne décide de péter un plomb et de publier n'importe quoi sur ce compte-là, bah, c'est moi qui vais ramasser. Donc voilà, je préférais que vous soyez au courant. Voilà, au cas où il se passe des choses sur ce compte. Donc voilà, mon véritable compte, c'est Alexis Duro 86. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous êtes au courant
de mon compte Instagram. Parce que c'est vrai que je vous mettrai le lien de mon compte Instagram. Je vous le mettrai en description, comme ça vous saurez lequel est le vrai. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de mes contacts qui étaient partis dans le faux compte, qui étaient partis s'abonner au faux compte Alexis Duro. Et voilà, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Surtout, voilà, surtout si. Pour l'instant, voilà, j'ai rien vu de compromettant. Pour l'instant. Maintenant, voilà. On ne sait pas. On sait vraiment pas ce qui peut se passer. On ne sait vraiment pas ce que les gens sont capables de faire. Enfin, si, moi je sais. Je sais parce que je l'ai déjà vécu, ça. Et j'ai pas envie que ça se reproduise une nouvelle fois. Tout simplement. Voilà, donc. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien et je vous embrasse. Bisous tout le monde.